Alors aujourd'hui, on se retrouve au-dessus du village de C, qui est juste là sur la gauche. On est parti directement de la fontaine qui est dans le centre de Saint-Germain. C'est un petit hameau qui dépend de C. Pour rattraper la ruine dont je vous parle dans beaucoup de vidéos à chaque fois que j'ai enroulé ici dans le coin. Alors à la base, je voulais faire un autre chemin que j'ai trouvé sur le géoportail, donc sur les cartes IGN sur internet, hein. Mais j'ai pas été capable de le trouver dans Saint-Germain. Donc on va se rabattre sur un trail que je connais déjà. Mais là au départ, bah, il va y avoir un peu de relance là, comme vous pouvez voir. Donc ça va. On va souffrir un petit peu. Mais ça devrait être quand même assez marrant. Dans une semaine pile, c'est le domaine skiable qui ouvre. Je pense que je vais rester sur le même rythme, une vidéo toutes les deux semaines, et en fonction de la météo, alterner peut-être une vidéo de ski, une vidéo de vélo. En tout cas, il y aura forcément des vidéos de ski. Alors aujourd'hui, on est le 7. On doit être le 7 ou le 8 décembre, je sais pas, 7 je crois. Et il fait étonnamment bon par rapport à la semaine dernière ou la semaine d'avant. Donc quand je suis parti, les températures étaient négatives. Donc par réflexe, je me suis quand même bien assez couvert. Et là, j'ai super chaud. France.
Alors là, on arrive à la ruine. Dernière partie de relance. Après, ça va descendre. Et vous allez enfin arrêter de m'entendre souffrir. Bon, on va se lancer direct. Bonjour. Alors ce chemin, ça va être ça en fait, succession de virages, un peu pentu, mais... Et franchement top, je l'avais fait tout au début que j'ai eu le Santa, pour m'entraîner un peu au virage. Il est toujours agréable à refaire.
Petit chassé. C'est l'endroit où il faut toujours faire bien gaffe aux randonneurs. Bonjour. Et voilà. Donc bah, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, le lien est dans la description. Et à la prochaine !